Amen. Est-ce que tu peux bénir ton voisin quelques paroles encourageantes. Amen. Abba, l'esprit de timidité. Je te conseille de te tenir debout parce que Amen. Qui peut me rappeler de ce grand thème? C'est quoi le grand thème? De quoi? Loi, les quatre, les douze, les trois clés d'une nation. La première clé, la justice. La deuxième, et aujourd'hui nous allons parler de la troisième clé qui est, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Nous sommes dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 14. Père Père, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu, pour qu'il nous aime, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les filles des églises. Amen. 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 Tu peux répondre 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous prenons aussi les livres de Matthieu 21. Matthieu 21. Verset 10. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 12. 12 à 13. À 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs et des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La nation. École. La nation. École. Dieu appelle Abraham. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Ton pays. Voilà où je t'indiquerai. Tu seras le père d'une multitude des nations. Dieu a promis à Abraham. Il a commencé par engendrer Isaac. Après Isaac, lui également engendré 12 tribus qui forment la nation d'Israël. Je suis en train de parler à une grande nation, à une grande famille, puisque la famille est la cellule de base d'une nation. Nous venons à l'église prier, nous invoquons les jeunes et prier, nous observons. Mais il y a quelque chose qui nous a toujours manqué. Voilà les trois clés. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour la nation, le pays Congo. Si vous n'avez pas les trois clés, il nous sera difficile
de développer cette nation. La Bible dit que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Amen. Vous voulez avoir Dieu comme roi? Appliquez la justice dans votre vie. Avoir une justice équitable. Vous voulez avoir un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, comme roi dans votre famille? Appliquez la justice et l'équité dans votre maison. Vous verrez la gloire de Dieu. Et Dieu sera votre roi. Si Dieu n'est pas le roi, il peut être le Dieu. Mais il faut l'avoir dans tous les deux aspects. L'avoir comme Dieu et l'avoir comme possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La deuxième clé, nous avions parlé sur la sagesse. Salomon, c'était un prince. Quand il a amené l'offrande devant Dieu, la nuit même, Dieu lui a posé la question: que veux-tu que je fasse? Il a demandé la sagesse. J'ai compris que la sagesse procure aussi la richesse. Si vous n'avez pas la sagesse, il vous sera difficile même de conduire votre vie. Vous n'avez pas la sagesse lorsque vous êtes un chef élevé. Il vous sera difficile de conduire les gens qui sont sous le commandement. Voilà, la fois dernière, nous avions parlé sur la sagesse. Aujourd'hui, nous allons parler sur la paix. Le drapeau blanc. La colombe blanche. La Bible dit: recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. C'est-à-dire, Dieu a conditionné, même pour le voir, il faut chercher la paix. Nous avons le devoir de rechercher la paix. Amen. De rechercher la paix avec nous. Vous venez à l'église. Oui, l'église. Pense une seule fois. Banzana, regarde en arrière. Est-ce que tu es en bon terme avec tout le monde? Quels sont les points de divergence qui vous disent? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ça peut même pour donner l'offrande. Tu as conditionné même l'offrande. Il faut arranger avec ton frère avant de passer devant l'autel pour rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne n'est pas. Il y a quelqu'un qui va rechercher la paix aujourd'hui. La paix, elle est très importante dans notre vie. Parce que la paix procure la joie. Que quelqu'un m'entend. Amen. La paix procure la joie. Vous êtes à Kinshasa. Vous ignorez les choses qui se passent à l'est de Dieu. Posez la question à nos frères qui sont à l'est. Puisqu'il n'y a pas de paix, il y a manque de joie. On ne sait pas festoyer, on n'est pas dans la joie, on est tout en triste. Parce que il n'y a pas de paix. Autant que nous cherchons la paix pour notre pays, autant que tu dois chercher la paix pour ta maison. La joie manque dans ta maison parce qu'il n'y a pas de paix. Vous voulez vivre la joie, recherchez d'abord la paix à n'importe quel prix. Mais très souvent, ce qui nous manque, c'est l'ego. Alléluia. Amen. L'orgueil. L'olendo. On est sûr de nous-mêmes. Là, je suis dans une maison, dans une famille. Il y a un climat malsain dans une famille entre les pères, les enfants, la mère, les enfants, le père et la femme. Papa, un climat malsain. Rien ne marche. Pas de joie.
Mais nous tous, nous venons à l'église, nous allons chanter, nous allons adorer, nous allons glorifier Dieu. Et nous allons même transpirer. Sachant que les torchons brûlent dans nos maisons. Rien ne va dans nos familles. Il n'y a pas de joie. Parce qu'il n'y a pas de paix. La paix dans une maison est une base qui procure la joie. La stabilité. Lorsque vous n'avez pas de paix, vous êtes une famille instable. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner dans ça? Alléluia. Lorsque vous manquez la paix dans une maison, cette maison est appelée à disparaître. Parce que vous êtes instable. Mais quand vous avez la paix, elle vous donne la stabilité. Vous êtes insécurisé. Parce que vous manquez la paix. Amen. La paix procure la sécurité. Et pour te accompagner la maman là. La paix. Qui vient? C'est une porte fermée. Ils allaient écouter Oyo et Kangama. Mais lorsque vous n'avez pas la paix, c'est un peu bizarre qui vient. La maison Nako a une grande porte ouverte. Pour les écouter mon aîné. Pour les esprits peuvent entrer. Et peuvent vous déstabiliser. Quoi ça? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis-moi amen. 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 La paix, tu me dis, procure le travail. Et bon, t'as comme ça là. On ne sait pas travailler à l'est du pays. On ne sait pas cultiver parce qu'il n'y a pas de paix. Si on y travaille, sachez que ça sera au bénéfice de l'élève. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de te dire pour ta famille, regarde ce qui se passe à l'est du pays. Avec cette prétention démesurée de nos pays voisins vis-à-vis de notre pays, parce que nous sommes tout le temps convoités. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Vous savez, lorsque vous sentez l'instabilité, lorsque vous sentez l'insécurité dans votre famille, sachez que le diable est en train de vous convoiter. Pour que le diable vous convoite, vous deviez avoir une valeur dans votre maison. Si vous n'avez pas une richesse, vous n'avez pas une valeur, le diable ne va jamais vous convoiter. Amen. Amen. Tout ce qui se passe dans notre pays, c'est tout simplement parce que nous avons une richesse. Et nous sommes convoités par nos voisins. Nous avons besoin de la paix pour travailler. Dis à ton voisin que j'ai besoin de la paix pour travailler. Lorsque nous manquons la paix, nous avons un esprit abattu. On ne saura pas donner les meilleurs de nous. Amen. C'est quand vous avez un esprit abattu, vous pouvez te poser la question 1 plus 1 égale combien? 6. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas concentré. Parce que vous manquez la paix. Pendant que je suis en train de prêcher, je sais qu'il y a des cœurs brisés. Quelqu'un qui manque la paix, il manque la joie. Il vient à l'église par formalité. Parce qu'on l'a invité. Mais lui-même dans son cœur, il manque la paix. Il est instable. Nous devons aspirer à la paix. Quelqu'un peut m'accompagner. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Nous avons besoin de la paix. Si vous manquez la paix, vos
Vous manquez de tout. Vrai ou faux? Solo toté. Dis-moi vrai ou faux. Solo toté. Et ça solo. Si vous manquez la paix. Sans que vous ayez qui bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire demain? Rien du tout. Et l'autre. Vous devenez une personne ordinaire. Voilà pourquoi. Quand Joël nous avertit. Joël a bien mis son matou. Joël dit ce que Gaza m'a laissé. Alors bien que Gaza m'a dit. Les sauterelles l'ont dévoré. Gaza, c'est quoi? Gaza m'a dit. Gaza, c'est un insecte. Azali moi et mange le fruit. Yeah, alléluia. Regardez comment le diable attaque une personne. Gazam, c'est un insecte. Il est comparable à un démon. Il est comparable au Lucifer. C'est que Gazam a laissé. Les sauterelles l'ont dévoré. Gazam attaque le fruit. Oh! Le fruit de l'esprit. L'amour. Beaucoup, beaucoup, et puis la paix. Amen. 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 L'amour, la joie, la patience, tout ça. N'est-ce pas? Amen. C'est comme ça que le diable attaque une personne. Lorsque tu manques la paix, tu manques la concentration. Tu peux venir à l'église. Au moment de prière, tu en as besoin, certes. Mais quand tu arrives, tu n'es pas concentré. Tu vas commencer à répéter à multiplier des vaines paroles. Amen. 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 Tellement un esprit abattu. Il commence à lier même Jésus. Jésus, je t'ai lié. Jésus, je t'ai lié. Jésus, je t'ai lié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de moi? Amen. Quand vous manquez la paix, vous êtes une personne désespérée. Amen. Amen. Dans une famille où il n'y a pas de paix, la femme, moi aussi. Tu vas t'aller, donne-moi ça. Encourage son ayoté. Même si tu es pasteur, même si tu es prophète. On va dire qu'on prophétise, mon toi, ça pour y m'aider, mon amour, ma libération, c'est ta femme. Moi aussi, je vais continuer. Maman Chantal, là, ça. Maman, il va aller, il va dire mon père. Attends, il y a son gros ça, le couta. Il y a été. Amen. Amen. Parce que. Quoi? Il n'y a pas de paix dans la messe. Qui m'a dit la présence? Alléluia. Amen. Quand vous manquez la paix. T'as pas besoin de qui m'a vous manquez même la maîtrise de soi. Oui, comme ça, t'as commis quand t'as eu mon corps. Vous pouvez faire même les pires. Et vous allez regretter plus tard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ça n'a pas tout fait vraiment assimiler madame ou tous ces enseignements? J'étais très content hier lorsque j'étais en train de parler avec la sœur Myriam. Il m'a fait une récapitulation de ses enseignements. C'est pas possible. Il y a des gens comme qui écoutent. Il y a des gens qui captent facilement les enseignements. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est vraiment important dans la vie, bien quand vous manquez la paix, vous perdez même le contrôle de vous-même. Vous n'allez plus contrôler votre langue. Alléluia. Parce que vous manquez la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous manquez la paix. Vous avez besoin de la stabilité. Vous avez besoin de la sécurité. Vous avez besoin d'avoir un bon job. Cherchez la paix. Aspirez à avoir la paix. Aspirez à avoir la paix. Alléluia. Amen. Écoutez cette histoire. C'est comme aujourd'hui. Nous verrons à l'église. Mais à l'église, nous avons des vendeurs, des businessmen, des gens qui ne viennent pas prier, mais ils viennent pour les affaires. Alléluia. Amen. J'en vois de toutes les couleurs. Si on vient prier, laisse. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Il est écrit. Et comment ma maison sera appelée une maison de prière.
prière. Respectons ces lieux sacrés. Par nos bénédictions sont liées à cette maison sacrée. Ne faisons pas de cette maison une caverne de voleurs. Amen. Jamais. Ce n'est pas un lieu de business. Na mona batu. La journée oyo na poko ma livre. Ah, chapitre. So ba tio pasteur la journée au réussir au continuer la mambo. Na non na école na na réussir. Dis-moi amen. Amen. Na moni mama moko. A sali fort. Chaque fois l'église a va d'arrêt de bosser. So ga amen. 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 Esther n'a pas l'obligé, à ça on t'a l'obligé. Et si la nana, on t'a tombé à la caca.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous nous les faisons parce que nous connaissons à qui on a affaire. Toi tu fais le contraire parce que tu ne connais pas à qui tu as affaire. Moi je le fais parce que je connais à qui j'ai affaire. Il a dit j'ai béni du père au fils jusqu'à la millième génération. Puisqu'il s'agit de l'église de Dieu, Dieu ne va pas me bénir avec mes enfants biologiques, mais il va me bénir avec mes enfants spirituels jusqu'à la millième génération. Si mes enfants physiques en font partie, ils seront aussi bénis. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si tu fais le contraire, vas-y, tu seras maudit du père au fils jusqu'à la quatrième génération. Alléluia. Dis-moi amen. Si quelqu'un peut me dire amen. Amen. Ces jours-là, hein? Les gens étaient dans le temple. Mais ces gens-là, toi, c'était qui ces gens-là? C'est toi et moi. Nous étions tous ces jours-là. Dans le temple. Mais chacun de nous avait un problème. Un cœur affligé. On cherchait la paix. Mais on venait comme d'habitude. Et on rentrait tel qu'on était venu. Puisqu'il y avait un système qui était érigé dans le temple qui empêchait aux gens d'avoir la paix dans leur cœur. Quand tu es délivré de quelque chose, automatiquement tu as la paix. Quand tu es guéri d'une maladie, automatiquement tu as la paix. Quand tu es restauré, automatiquement tu as la paix. Mais quand tu n'es pas restauré, tu n'auras pas de paix. Même si les autres vont témoigner, mais puisque toi aussi tu as besoin de vivre la main de Dieu, laisse-moi te dire ceci. Les témoignages peuvent nous édifier, mais on finit. Nous aurons besoin de voir la même main qui a touché l'autre, qui témoigne, afin que je puisse aussi expérimenter cette puissance. S'il a témoigné, c'est une bonne chose. Moi aussi, j'ai besoin de témoigner. Chacun de nous a un problème. Mais dans une église, lorsqu'il y a un mauvais système qui empêche de vivre le miracle, de vivre l'épanouissement, nous allons rentrer tel qu'on était venu. J'ai envie de dire à une personne seulement. Si aujourd'hui Dieu te donne la paix, c'est des signes ou c'est des symboles de la cessation des hostilités dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est les symboles de la cessation des hostilités dans ta vie. Amen. Dis à autre voix, j'ai besoin de la paix. J'en ai besoin. Qui a besoin de la vie? Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. J'ai besoin de la paix. Dans une maison où le mari ne travaille pas, il n'y aura pas de paix. Vrai ou faux? Vous savez, ce qui sera lors du jour, ce qui sera lors du jour, c'est la malédiction. Alléluia. Amen. La malédiction. Yo va denga kaka. Mobela ta hémorroïde. Yo va denga kaka. Ma colominene. Pour la bidon à 25 litres. Ainsi de suite. C'est plus la malédiction. Alléluia. Amen. C'est plus la malédiction. Les gens sont venus à l'église pour écouter et pour vivre aussi des miracles. Vous savez, dans la vie, nous avons besoin non seulement d'écouter, mais
Sinon, la Bible est historique. Alléluia. Amen. Nous parlons de la Bible. Nous parlons des patriarches. Mais nous avons besoin aussi d'annoncer à la génération suivante les merveilles que Dieu a accomplies dans notre dispensation, dans notre période. Qu'est-ce que nous allons annoncer à la génération future? Quel est Dieu tout-puissant que nous prêchons? Il est seulement le Dieu de la Bible. Non, nous devons annoncer à la génération future que le Dieu de la Bible est mon Dieu. Il sera notre Dieu. Voilà ce qu'il a fait de généreux, ce qu'il a fait de moi, ce qu'il est capable de faire de vous. Amen. 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 Si vous êtes sans vos amis devant un incrédule, vous prêchez Dieu, il peut te poser la question. Yo, il m'a dit Gédéon. On m'a dit, oui, c'est un exemple, ça va dans Gédéon. À 4000, yo, il m'a dit. Au monde, il m'a dit. Nous, nous, la question qui est sur le Maka Moïse et comment les amours. Et ça va être sapo. Tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas. On s'en est la moto, on a été invité. Mais, Kassi. Si tu as déjà expérimenté l'histoire de Gédéon dans ta vie, tu diras à cet homme, Gédéon a expérimenté une dimension de puissance avec Dieu. Il va te poser la question, tu le connais? Non, Gédéon y est. Je connais seulement son histoire. Mais Gédéon d'aujourd'hui, c'est moi qui ai devant toi. Parce que ma famille s'aimait, mais ne récoltait pas. Mais depuis que je suis devenu Gédéon, j'ai brisé. Aujourd'hui, ma famille peut s'aimer et récolter. Yes. C'est comme ça. C'est ça. Bongo. Tu seras fier. Et dis à cette personne que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, lorsqu'on parle de la Sainte Seine, qu'est-ce qui nous est recommandé? Le vin le soir. Vive quoi le vin? Le vin qui est le symbole de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. Écoute-moi. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas de connaissances mais qui est incrédule, peut te défier en te disant ceci. Le sang de Jésus a coulé il y a près de 2000 ans. Ce sang a perdu déjà ta vie. Parce qu'il y a très longtemps. Tu sais ce que tu pourras dire à cette personne? Dis-lui. Tu connais l'histoire de la Sainte Seine? Tu sais pourquoi Jésus avait préféré qu'on prenne le vin comme symbole du sang? Parce que le vin, plus il est gardé longtemps, plus il devient fort. Plus les années passent, plus le sang de Jésus-Christ devient encore plus fort. Bongo. Amen. Amen. C'est ça. Et ça, maman. Ton sang. Lorsqu'il coule maintenant. Après des années. Mais bizarrement, ça a Christ. Plus maman, les gens qui disent. Et sang qui nous perdit sa puissance. Ni sa capacité. Ni sa qualité. Et ça, c'est bon. Bongo. Voilà pourquoi. Dieu, Zabé, je vais réformer. Voilà pourquoi. Tu as intérêt de construire une histoire avec ces dieux. Afin que toi, tu sois une référence. Il viendra un temps où on ne va plus parler des gens qui sont dans la Bible. Mais il viendra un temps où on va commencer à prêcher des hommes, des femmes qui vivent encore.
Ce temps-là est déjà là. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Les problèmes. Et ce sont les trois clés. Et tu verras le développement dans ta vie. L'épanouissement dans ta vie. Mais crois-le seulement. Alléluia. Amen. Ma jeune alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi je laisse ce dossier matin. De nous avons révélé. Vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi? Amen. Ma jeune alléluia. Vous voyez pourquoi je laisse ce dossier matin. Je ne parle pas à jeunesse à Jourdain. Jeunesse de manière générale. L'exception ne manque jamais. Pourquoi la jeunesse ces jours ici? C'est ma culte à ma jeune. Je suis dans ma église, je suis ici. C'est à cause des enseignants. Ils ont bon malade. Malade ici. Donc, par enseignement, ma jeune, ma légume. Est-ce que la sexualité est permise en mariage? Ma jeune, c'est avec qui sexualité? Bata posa. Ça, ce n'est pas la base. Ça sont des futilités. Apprenez à la jeunesse de craindre Dieu. La crainte de Dieu. Les servir avec les craintes de tremblement. C'est ainsi qu'on aura une part solide. Nos pères craignaient Dieu. Mais nous les fils, écart à nous-mêmes. Quand vous prenez tous les vieux. C'était la crainte totale. Mais pas nos baïens, il y a pas dit. Ça dit, ma jeune baïe église, n'a pas ma jeune combien de temps. T'as pour Paul à Zaraï. Oh papa, ma jeune nous souvient, papa Paul a encore autant de santé. Ma frère, ma jeune, ça l'a pasté. Moi, il m'a enseignement, il faut que enseignement quoi tirer. Oui, quoi tirer, ça dit, enseignement, il m'a fiancé. Il y a ma copinage, il y a sexualité, il y a aussi ma mère, il y a aussi ma banalité. C'est ça qui te dérange. Maintenant la crainte. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux maintenant la crainte. C'est dans la jeunesse. Et c'est où what? Dieu va choisir des nouveaux pasteurs. L'église est devenue un lieu de spectacle. L'église est comme un cigare qui s'appelle. Retournons aux fondamentaux. Quels sont les fondamentaux? La crainte. La crainte. La crainte. La crainte. La crainte. La crainte. C'est ça la base. C'est là où va naître le futur prophète. Le futur pasteur. La sexualité.
Nzoto. Yo, ozo kanisa ki ozo enseigner bango, ozo kande bango enseigner kali. Bazote ya yo. Yo, ça va être grand maître. Ah, yo, quand ils sont à mettre, ma grand maître. Sentir quoi, sixième temps. Ah. T'as mon soeur, ma gueule, la première, comme une première, la gueule, la bicolore. À maîtriser tous les aspects. Ah. Et toutes les positions. Ah. Dans le bien. Bah, yo, tu t'es. Bien. Bah, yo, tu t'es. Mais là, on s'en rappelle pas beaucoup, tout pour la gueule, la gueule. Colo, bah, yo, t'es pour le bien, le côté. Parce que je n'ai pas avancé. Amen. Amen. Retour au fondamental. Tout ça, on a ça sont des bêtises. Oh, ma jeune, ma ligue, ma kende, Koulian Tabana Banda. Papa, yo, Koulian Tabana Banda. Oh, il y a un homme qui s'en a coûté. Non, et pas la ville, Koulian Tabana. Tabana Banda, le candéa. Ote, il faut évangile et bendak. Quel évangile et bendak? Moi, la crainte, moi, le problème, ce n'est pas l'évangile. Moi, la crainte. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer à cette jeunesse? Parce que demain, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la relève de demain. C'est la relève. On s'en relève. Si tu n'as pas une base solide, ça dit un pasteur, à quoi tu as l'air d'avoir l'anga, un pasteur, à quoi tu as franc-maçonnerie, à quoi tu n'as l'occultisme, à quoi tu n'as pas cabale juive, à quoi tu n'as pas rien à faire. Là, tu vois, ta lutte, tu n'as pas ma péka, ça veut dire on ne craint plus Dieu. On doit ramener la jeunesse à craindre Dieu. La Bible dit on ne sait jamais de mettre à la foi. Quand Ezekias faisait du bien, il ne savait pas qu'il y avait
révélation. Et quelqu'un est allé. Dis-moi. Amen.
fallait qu'on a choqué au bout. Mais qu'a payé pour Luca? Au tir les lolo bidets. C'est un téléphone, on se met à la célébrer. Puis les outils d'un bumbu apparaissent à célébrer au display d'un gaba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui a ça épargné, que Dieu vous a épargné. Obobika. 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 Prenez la bête qui m'a pas. Pas. A changé. Dans le mois de l'année, je crois que ce qui t'ont discuté à Souk, ça va 2014. Nous, on vit la paix. Obobika, Kimia. On vit la paix. Ah, pire petit l'année. La casquette était, mais pire petit l'année. Amen. Voilà, dis-moi Amen. Complice n'aille. On vit la paix. Complice n'aille. Aïe, tu y a n'aille, aïe, aïe, aïe. Yo, 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 moi, c'est n'aille. N'aille, n'aille, papa, tu n'as pas papa, tu n'as pas n'aille. N'aille, 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 n'aille. N'aille, 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 alors ça va moko. Maman dit qu'elle n'a pas moko. Elle n'a pas si. Quand moko va. Moko n'a pas soit proche. Ça va tout la bande. La vie va prier. Moko ça la pour quand ça l'attente. Un jour dans son temps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Tous allez le mot. La paix. Qui vient? Un jour, Jésus entre dans le temple. Il va faire une observation. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un dysfonctionnement dans cette église. Il y a un dysfonctionnement. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu pries, tu jeûnes, tu viens à l'église et qu'il y a toujours quelque chose qui dérange ton âme, qui dérange ta vie. Il faut chercher à connaître ces dysfonctionnements. Quel est ce dysfonctionnement dans la vie? Pourquoi je prie? Vous savez la paix? Et ça, voilà, quelqu'un qui a un champ. Au sein de la gare, ou bien au loup, il ne peut pas qu'il tombe. C'est quoi, yo? Ou y est que il y a la saison. Qu'est-ce que tu attends? Vous attendez quoi? La saison de. De pluie pour saluer, pour arroser et faire germer la plante. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que quelqu'un m'entend là au fond? Amen. Maintenant, tu as bien préparé le champ. On est quel là? Très bien. Yo mon boy, que non, attend quoi sécheresse, ça vous allez bien. Mais au kamati, au kaka yo mon boy, on salue Milan, on loni, on ose la moula, on suit le sous bâton. On tient le cola Milan. Mouleye. Et bêtine le bâton. Qu'est-ce qui va arriver? Milo est kaka. C'est ça le problème avec la paix. Quand vous manquez la paix, c'est comme si vous avez cédé. Et puis, vous-même, vous prenez une couverture. Écoutez, la paix. Alléluia. Amen. La paix doit procurer tout. Et c'est que vous avez. Alors ces jours-là, Jésus-Christ, quand il entre, bizarrement, mon fils. Il y avait des souverains sacrificateurs. Il y avait des docteurs de la loi. Il y avait des évangélistes. Il y avait des pasteurs. Personne, personne n'a décrié ce dysfonctionnement. Et pourtant, les docteurs de la loi connaissaient très bien la parole. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont là. Ils ne découragent pas. Il ne dénonce pas. Il laisse ça. Il laisse passer. Et puis c'est fini. Et pourtant il y a des dysfonctionnements dans l'église. Tous ces gens-là étaient là. Ils ont aimé le système. Sûrement le pasteur avait une rétrocommission. Et
Christ n'a pas regardé les responsables de l'église. Mais il s'est soucié des gens qui manquaient la paix. Aujourd'hui, Dieu s'est soucié des cœurs abattus. Il manque la paix. Il manque la joie. Il vient à l'église. Il n'a pas d'enfant. Il vient à l'église. Il n'a pas un travail. Il vient à l'église. Il n'a pas une promotion. Il vient à l'église. Il n'a pas de moyens. Il vient à l'église. Il n'y a pas de mariage. Il prie. Il a toutes les promesses sur sa tête. Mais il ne voit pas la main de Dieu. Un cœur abattu. Alléluia. À cette époque, il y avait des boiteux qui venaient à l'église. Sachant que là, nous allons rencontrer les médecins par excellence. Mais ils n'ont jamais expérimenté cette dimension. Toujours. Manque de joie. Les gens pleuraient. Pleuraient amèrement dans leur âme. Parce qu'ils ont perdu l'espoir. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'un seul homme puisse dénoncer ces dysfonctionnements. Je suis en train de décourager ces grands dysfonctionnements. Quand on vient à l'église, c'est pour un seul objectif. C'est pour adorer ces dieux-là. Pour lui dire merci. Vous savez, pendant qu'on était en train de louer Dieu, pendant que les mamans étaient en train de danser, ça là, c'est ce qui énerve le diable. C'est une manière de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. C'est une manière de reconnaître que Jésus-Christ est mort. Trois jours après, il est ressuscité. Même la terre elle-même a rendu témoignage. La terre l'a reconnu en disant que celui-là, c'est lui le créateur. Lorsqu'il a parlé et il m'a créé, comment moi je peux le retenir? La tête l'a reconnu. Nous devons aussi le reconnaître. Il est le Dieu puissant. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Personne n'a parlé comme lui. Les prophètes n'ont jamais parlé comme lui. Les pasteurs n'ont jamais parlé comme lui. Comme vous lisez l'Ancien Testament, personne, aucun prophète de la Bible n'a chassé un seul démon. Aucun. Pour la première fois, quand il est arrivé, il a soufflé l'esprit à ses disciples. Ils sont tannés. Ils ont commencé à chasser les démons. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont dit, mais les démons nous obéissent. Les démons nous obéissent. Quel est cet homme? Même la nature lui obéit. Quand il dit, toi, tempête, arrête-toi. La tempête s'arrête. Amen. Je dis au nom de Jésus, s'il y a une tempête dans ta vie, qu'elle s'arrête aujourd'hui. Elle s'arrête aujourd'hui. S'il y a une tempête dans sa vie aujourd'hui, quelle que soit la grandeur de la tempête, qu'elle s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Même si ta barque, même si ta barque est en peine. En train d'être coulé. N'ayez pas peur. Moi seulement Jésus. Les réparateurs de cœur brisés. Quelqu'un qui a perdu l'espoir. Il se dit à quel sens c'est voué. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu aujourd'hui qui est capable de restaurer le cœur d'une personne. Qui est capable de restaurer la vie d'une personne. Vous savez, quand Dieu restaure les mêmes mains qui tombent doigtés, ce sont les mêmes mains qui vont t'applaudir. Et connaître la main.
croiser. Vous pouvez marcher là-dessus. Mais il ne va même pas perdre. Il ne perdra jamais sa valeur. Même dans ce lyotard. Quand vous l'appelez ce messager, il va vous donner des francs congolais de sa valeur. J'ai envie de dire à une personne. On t'a méprisé. On a marché sur toi. Mais rien de tout ça n'a rêvé ce que Dieu a mis en toi. Rien de tout ça. Tu as toujours la même valeur. Tu es comptabilisé parmi les enfants de Dieu. Toujours. Quand je verrai le monde. Il dit mon fils est là. Ça c'est ma fille. Je suis en train d'imaginer ces jours-là. Lucifer, tu étais où pendant tout ce temps? Quand j'étais en train de parcourir la terre. Dieu se lève. As-tu mis mon fils Jean? As-tu mis mon fils Jean? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Vous savez, j'ai compris une chose. Lorsque les diables disent à Jésus, si toi tu ne les protèges pas, permets-moi seulement de les toucher. Il va te maudire. J'ai compris une chose. Donc il avait déjà essayé. Il a essayé. Il y a des gens que le diable a essayé toute la nuit. Il a essayé. L'échec. Parce que Dieu, c'est lui le protecteur. La Bible dit non, ne le tenez pas au bout de ce qui est fait. Pour lui, la cacher du danger. Yes. Imaginez. Dieu. Non seulement il devient ton avocat, il est ton avocat. Mais Dieu fait ta publicité. Dieu lui-même fait ta publicité. Abibé, comment est-ce que tu es? Peut-être des moments que tu es en train de traverser, c'est juste un moment de test. Sois comme Job. Ne sois pas ébranlé. Sois comme Job. Ces jours-là, Job, ne connaissant rien, mais il n'a commis aucune faute. Lui le connaissait bien. Est-ce qu'il savait qu'on était en train de le tester? Il était en train de l'observer. Laisse-moi te dire, ce jour où la restauration est arrivée, quand Dieu l'a restauré, il lui a remis tout ce qu'il avait perdu et il a donné même les bénéfices. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Ma prière aujourd'hui, que Dieu restaure le cœur d'une personne. Que Dieu restaure la vie d'une personne. Que Dieu restaure ton cœur. Moi qui a manqué la paix. Qui a manqué la joie. Qui a manqué la patience. Tout simplement. Parce que le diable voulait te cribler comme de la farine. Notre Dieu est vivant. J'ai dit notre Dieu est vivant. Ces jours-là. Quand Christ dénonce ce dysfonctionnement, la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chasser tous les vendeurs. Il a brisé les tables des changeurs. Il a chassé, il a détruit. Et puis, quand vous lisez après, les malades, les boiteux, tous ceux qui avaient les cœurs flippants, se sont approchés de Jésus. Ils ont reçu la paix, la guérison, la restauration. Aujourd'hui, lève tes mains. Je vais dire à Dieu, lève ton âme, lève tes mains. Je vais dire à Dieu que Dieu restaure ta vie. Ça c'est ma concentré. Regarde seulement les trônes. Ne me regarde même pas. Regarde seulement les trônes. Alléluia. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Jérusalem sera habitée. Et toutes les villes de Judée seront réparties. Aujourd'hui,
Alléluia. Jérémie a parlé. Yimelebaki. Tu as dit, Jérémie, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le monde établi, je t'avais déjà établi prophète. Aujourd'hui, je suis Jérémie de cette génération. Je parle et j'engage ta divinité. Les réparateurs de cœur brisé, les restaurateurs. Tu as dit, je te rembourserai toutes les années que mes sauterelles ont dévoré. Commence à rembourser. Commence à restaurer. Restaure. Touche toutes ces mains qui se sont levées et restaure. Leur vie. Restaure leur foyer. Restaure leur travail. Restaure leur mariage. Restaure leur richesse. Alléluia. Restaure. Restaure. Les dieux de la restauration. Restaure. Restaure. Père, ces jours-là, lorsque tu avais chassé les changeurs et les tendeurs, les gens qui avaient besoin d'expérimenter la puissance, on vit ta main. Descendre pour les guérir, pour apporter la paix. J'ai besoin de voir ta main descendre. Cette main puissante. Une main qui n'est pas courte, capable de toucher n'importe qui dans ses pieds. Touche par la puissance du Saint-Esprit. Commence à restaurer. Restaure. Zongi Sassika, restaure. Zongi Sassika, restaure. Zongi Sassika, restaure la paix. Zongi Sassika, Kimia. Restaure la cohésion. Zongi Sabomoko. Restaure l'unité. Zongi Sabomoko, Pemo Yokali. Restaure la vision. Zongi Sabonis. Restaure. Zongi Sassika. Tous ces foyers. Mabotanyo Soyo. Qui ont des problèmes. Malamakamo. Ces foyers. Mabotoyo. Qui ne cesse de pleurer. Parce qu'ils ont connu une injustice. Un mauvais témoignage. Ils ont perdu l'espoir. Jésus. Restaure. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. C'est lui qui croit qu'il est restauré. Fait commencer à acclamer. Fait commencer à dire à Dieu merci. Acclame ce Dieu. En guise de reconnaissance. Le Père des Esprits. Maman, qu'on a fait une manière de l'adorer.